Bonjour, bonjour, je vous retrouve aujourd'hui avec le chant des oiseaux, si vous entendez dehors, et l'oracle de la femme guérisseuse. C'est un oracle sur lequel j'ai complètement craqué, donc je vous le dis dès maintenant parce que voilà, je vais m'extasier un petit peu sur ce jeu en vous le présentant. Il a été réalisé par Carole Pirmez et Lina. C'est un jeu en fait extrêmement poétique, avec des illustrations très douces, très poétiques à l'aquarelle, mais aussi un texte qui vous relie à la nature, des textes poétiques aussi. Alors je vous lirai les textes pour que vous puissiez voir si ça vous plaît à la fin. On tirera deux cartes pour que je vous montre un petit peu ça. Et déjà là je vous présente donc c'est un coffret rigide. Il est édité aux éditions Erol. Je vous mets comme d'habitude en barre d'infos le lien pour le trouver facilement. Voilà, et puis pour en découvrir un petit peu plus sur ce jeu. Donc il arrive comme ça dans une boîte. On a le livret qui va avec. Et on a à l'intérieur les cartes. Donc je vais les sortir maintenant, on les regarde juste après. Je vous ferai une petite présentation du livret avant. Donc on a l'oracle de la femme guérisseuse, il y a 44 cartes à l'intérieur. On a un avant-propos sur bah justement hein, comment cet oracle, ce que vous propose cet oracle, comment il est né aussi. Pareil ici, c'est vraiment la naissance aussi de l'oracle. Un petit mot sur la femme guérisseuse, c'est toujours écrit de façon poétique. Et puis de façon un peu plus concrète, on a comment utiliser cet oracle, donc avec la première approche. On vous invite vraiment à vous imprégner du jeu, de prendre du temps de l'observer, de voir un petit peu ce que ça éveille en vous, d'utiliser vos sens pour le découvrir. On a ensuite un tirage à une carte. Un tirage à trois cartes et ensuite on attaque les cartes. Donc vous avez une représentation de la carte, l'élément végétal qui est associé, puisque comme je vous le disais, c'est un jeu qui est très connecté à la nature, qui a vraiment cette volonté de vous connecter aux plantes, à la sagesse végétale. Les mots semences, donc ça j'aime bien, je trouve ça très joli de l'appeler comme ça, au lieu de dire mots-clés, on appelle ça les mots semences. La guidance poétique, la quintessence végétale et l'eau d'aux éléments. L'eau d'aux élémentaires, pardon. Donc ça, je vous lirai après. Comme ça, vous pourrez voir directement avec une petite guidance si ça vous plaît, si ça vous parle. Et puis, on a un petit mot sur l'illustratrice et sur l'auteur à la fin. Voilà. Alors, je vais vous montrer ces magnifiques cartes. Je vais vous mettre une. On a des cartes qui sont tranchées avec une tranche or antique. Vous voyez, antique, c'est que l'or ne brille pas. Il est comme ça un petit peu plus. Comment dire, un peu plus terne, mais je trouve ça très joli, moi. On a des cartes qui glissent bien, vernis brillant. Voilà, on a des grandes cartes. Et donc, on a ici. Le dos des cartes avec cette idée de graines, de semences que je trouve très très jolie. Donc, accueille ta fertilité créative. On a un petit mot sur chaque carte. Et je vous laisse découvrir ces magnifiques illustrations. Thank you.
on a une bouffée de douceur, je trouve, en prenant ce jeu dans les mains, en regardant ces illustrations. Je trouve ça très très inspirant, d'autant plus qu'il se passe pas mal de choses en plus sur les cartes. Relativise le temps qui passe, par exemple ici on peut se connecter à la fleur, à la couleur, parce que vous voyez qu'il y a quand même des couleurs différentes pour chaque carte. On a un thème aussi qui nous plonge plus ou moins dans un... Alors j'allais dire dans peut-être cette énergie aussi au niveau des chakras qu'on peut travailler. Donc je trouve ça pas mal, je trouve ça intéressant. Et puis il se passe des choses, on a des symboles, on a des fleurs, on a des personnages aussi qui sont présents. Là par exemple on a une personne qui se laisse aller aussi, on peut voir ça comme ça. Là on a vraiment cette idée aussi de grandir, on peut les prendre à l'intuition, de se tenir droit, de pousser. Il y a quelque chose qui éclot de la posture de la personne et qui s'élève au-dessus. Donc je trouve ça très, très beau, la joie avec ce jaune. Donc on a vraiment quelque chose qui se passe entre nous, entre les illustrations. Je vais tirer deux cartes pour... on va se faire comme une petite guidance. Et je vais vous lire ce qui est écrit dans le livre. Vous allez voir si les écrits vous plaisent aussi. Moi déjà, je trouve que ne serait-ce qu'avec les cartes, les illustrations, les couleurs et le petit message écrit sur les cartes, on a déjà quelque chose qu'on peut utiliser même sans le livret. On a vraiment une approche déjà d'un très personnel, je trouve, du jeu. Comme ça. Alors, vous entendez peut-être les grenouilles. On a des grenouilles dans le bassin. Alors, je vais prendre ces deux cartes. Hop. En même temps, on a dit que c'était un jeu connecté à la nature. Alors, si vous entendez le chant des grenouilles, c'est comme ça. Alors, la première carte, c'est la carte 21, l'union et la force. Alors, je vais vous lire ce qui est écrit. Je vous fais un petit truc entre inscrit et écrit dans le livret. Donc déjà, on a l'élément végétal, c'est le séquoia. Les mots semences, c'est la force, la patience, l'union, le potentiel, la longévité et la collectivité. La guidance poétique. Ainsi naît la vie d'une graine légère venue se greffer à la partie fertile de l'anatomie humaine. Tu as été créé. Dans cette cavité, intime et protégée, la chaleur de ta mère t'a permis de te développer, être incarné dans cette réalité, naître pour un temps dans cette matérialité. La terre comme repère, le ciel pour père. À mon image, je t'invite à prendre conscience de l'envergure de ton système racinaire. Cette empreinte indélébile qui t'unit à tes ancêtres, cette reliance subtile qui rassemble tôt ou tard tous les êtres. Ton ancrage aux énergies telluriques de la Terre est puissante. Il te permet de retrouver ton chemin sur les sentiers de la vie les plus glissants. Il te ramène toujours, constamment, quand la voix de la joie s'éteint en toi. Si tu le souhaites, ton lien au cosmos l'est tout autant. Une élévation sans limite, un vol sans besoin de contrôle, un sentiment de légèreté une foi absolue en la magie universelle qui entretient notre connexion au dit réel. Bien installé dans cette posture, nourri par la richesse de cet équilibre, tu inspires, tu attires. Comme une fleur rendue attractive par le parfum enivrant qui te caractérise, tu as le potentiel d'éveiller le meilleur, et d'aider à voir se dissoudre le pire. Ai-je vraiment besoin de te rappeler à quel point ton écorce est solide? Si tel est le cas, compte sur moi, car unis l'un contre l'autre, l'un à l'autre, notre force est indestructible. La sensation des plaisirs que nous expérimentons ici-bas est multipliée par trois, toi, l'autre et moi. À toi, ô toi, reine de lumière, fais preuve de patience pour semer dans chaque cœur que tu croises une graine de printemps. Arrose-les de bienveillance et observe comme le bonheur s'ajuste autour de toi. Alors on te propose une quintessence végétale. J'éveille à la force et à la puissance de la fratrie. Et une ode aux élémentaires, esprit de l'air, esprit de la terre, puisse le pacte éternel de votre union fraternelle inciter les mains à se tendre les unes vers les autres pour se réunir.
un monde nouveau est en devenir. Pour la seconde carte, nous avons exprime tes sentiments. C'est la carte numéro 36 et voici ce qu'elle vous propose. Donc déjà l'élément végétal c'est le bleuet. Les mots semences c'est bon augure, vision juste, timidité, amour, délicatesse et sentiment. La guidance poétique, tendre comme l'herbe fraîche qui caresse ta voûte plantaire, à l'heure de la rosée, je suis le partenaire de voyage rêvé. Avec moi à tes côtés, la confiance en les choix que tu fais peut se développer. Combien de temps encore vas-tu hésiter? Pourquoi attendre si ta petite voix te susurre à l'oreille d'essayer? Les saisons qui passent, les tracas, à rester trop longtemps figé, tu risques de te laisser dévorer. La passion est la plus riche des émotions. Ose tout ce qui te plaît, que tu aimes la vie, l'amour ou un projet, rien ne doit être qualifié, quantifié. Si dans le bas de ton ventre tu pétilles, si dans ton cœur un feu intérieur frémit, saisis ta chance. Médite sur la beauté, sur ma délicatesse, sur ma subtilité, je suis de bon augure. Quand dans ton tirage j'apparais, ta vision juste peut se développer. Tes choix peuvent s'affiner, peu importe la nature de tes sentiments. Pense en termes d'audace et non de timidité. Comme le nectar de mes étamines, je pose l'intention pour toi d'attirer ce qui est juste et ce qui doit être expérimenté. Sois attentive, les réponses ne se trouvent pas toujours là où tu as pris l'habitude de les chercher. L'essentiel est à ta portée. Comprends dès à présent qu'il est temps de vivre la profondeur de tes sentiments, de dire les choses comme tu les ressens. Bien que l'éternité soit à tes pieds, ton passage sur cette terre est éphémère, distingue ce qui est de ce qui a été. Intègre qu'il vaut mieux vivre avec des remords qu'avec des regrets. Mais prépare-toi, car bien que l'amour et la vérité soient à ta portée, il te faut accepter qu'en retour, tes sentiments puissent ne pas être partagés. Il te faut reconnaître que tout ton projet ne peut pas être concrétisé. Es-tu prête à avancer la tête levée? Ô toi, amoureuse désavouée, retiens de ma visite que tout peut être exprimé, le bon, le juste, le mauvais. Comme quintessence végétale, je suis la messagère des sentiments inavoués. Et on vous propose comme graine de douceur, notre monde a besoin de sincérité. Prends contact avec un proche, un parent, un ami ou l'être que tu chéris. Sans détour, dis je t'aime, fais-le sans crainte d'être rejeté. L'amour filial, l'amour fraternel, l'amour amical, l'amour animal, l'amour marital, l'amour secret, tout a le droit d'être exprimé. Voilà pour les petites guidances qui sont dans cet oracle. Donc des guidances qui sont tout aussi poétiques que ces illustrations. C'est un jeu qui... il y a une belle adéquation, une belle alchimie vraiment entre les dessins, entre les textes et l'énergie qui s'en dégage. Voilà, quelque chose de joyeux et en même temps quelque chose de doux. J'espère que la présentation de ce jeu vous aura plu. Je vous mets la ref juste en dessous en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller voir, à commenter et à laisser un petit pouce si la présentation vous a plu. Je vous souhaite une belle journée, on se retrouve très bientôt. Bye bye !